EA Sports. It's in the game. Le jour se lève sur cette nouvelle saison. Premier match donc, et on va enfin entrer dans le vif du sujet. Bonsoir à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. Au micro, Omar et Benji, la team Dada donc qui vous fait vivre les plus grandes aventures. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule. Ah, le ballon intéressant! Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu, c'est prometteur pour ce match et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair, je ne dribble pas, je joue en force. Dans l'exécution, c'est parfait. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Place au premier match de poule de cette... Oui, la frappe. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Le ballon qui revient. Et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté. Et là, tu déclenches la foudre. Qu'est-ce que c'est beau ! Magnifique. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Bien placé pour conclure peut-être. Et quelle intervention! Et aucune question à se poser, le ballon est renvoyé. Et le centre est détourné par la défense. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Un ballon rendu à l'adversaire. Le ballon dans la profondeur. Et la parade, dingue, quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe! À bout portant, c'est exceptionnel! Le ballon de De Bruyne. Ferland Mendy. Ouais, la bonne ouverture, magnifique!
Allez, pourquoi pas là? Ah, il y a la place pour une frappe. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match! Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique! Le troisième but pour le hat-trick! Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Ouais, le match qui reprend est donc le Real qui est largement au-dessus. 3 buts d'écart. Hein. Il la passe dans le dos de la défense. C'était prometteur, mais la défense est attentive. Rony Lopez. Et oui, la faute, évidemment, et elle vient couper l'attaque. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Et le gardien s'illustre bien. Cornea. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Allez, l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Allez, le repos qui approche et tout va très bien pour l'équipe visiteuse. Leur jeu est parfaitement huilé. On sent que tout. Attention, une occasion peut-être. Bon, mais quelle reprise exceptionnelle! C'est la perfection, c'est le mariage de l'efficacité et de l'esthétique. Quelle maestria! Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Et ça peut être dangereux. Ouais, c'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc pour l'adversaire. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le Real Madrid qui a clairement creusé l'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Attention, voilà un bon duel. Allez! Et encore un nouveau but. Quelle punition! Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Et le Real qui reprend ce ballon. Bien parti dans le dos. Oh là là!
Extraordinaire! Grandiose! On en a rêvé! Il l'a mis ce but! Voilà, c'est un but qui arrive tout droit de l'espace. Un but en apesanteur. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et voilà, but ! Ce n'est pas vraiment du 1 contre 1, c'est plutôt une frappe imparable, une frappe chirurgicale. Allez, le match qui reprend avec la démonstration qui se poursuit. Cet éventuel transfert, c'est le gros sujet du moment. Ouh, attention, ça bouge là! Il y a un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Ça repart pour le Real Madrid. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. C'est un ballon qui est récupéré. En bonne position. Avec Kevin De Bruyne. Ouais, très bonne défense là-dessus. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Et c'est finalement dégagé. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et vous le voyez, tant qu'on y est, n'oubliez pas ce match à vivre ensemble. Le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Au second poteau, voilà le centre. Et le gardien, pas inquiété du tout là-dessus. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Ballon vers De Bruyne. Et bon arrêt du gardien. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah, Brahim Diaz bien placé. Intervention et donc danger écarté. C'est terminé la fin de la rencontre et donc le Real Madrid réussit très bien son entrée en lice dans cette Champions League. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Thank you.